suis avec Marie-Thérèse sortie de la vallée du Richelieu et Céleste Dao de Summer League qui viennent tout juste de remporter le championnat provincial féminin. Félicitations, mesdames. Marie-Thérèse, je vais commencer avec toi. Donc, c'est la deuxième fois que tu remportes le tournoi. Comment est-ce que c'est significatif pour toi une deuxième victoire comme ça? Ben, la première fois que j'ai gagné, c'était ma première année senior. Fait que, depuis une couple d'années, je suis proche. Fait que là, d'avoir regagné, Et là, j'aimerais qu'on parle de la bataille que tu as eue avec Jocelyne Smith lors de la ronde finale d'aujourd'hui. Oui, bien Jocelyne, c'est une bonne amie, ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Et, j'ai tout le temps dit que c'était mon porte-bonheur, mais je pense que ça l'a piqué un petit peu. Parce qu'elle a joué un moins un sur le front, fait que, elle m'a vraiment poussé. Un bon challenge. Un bon challenge, mais à la fin, je suis contente qu'on a tous les deux pu bien performer. Bien, ouais. Céleste Dao, il me semble qu'on entend ton nom beaucoup cet été. Tu as notamment remporté 3 championnats juniors au début de la saison, donc la classique optimiste Afante, le championnat premier lac et l'Omnium junior du Québec. Et là, tu remportes pour la première fois ton championnat chez les amateurs, donc félicitations. Et merci. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je suis vraiment, vraiment contente. C'est différent de gagner chez les juniors. Jouer contre des nouvelles compétitrices, c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir gagné cette semaine. Et là, je veux savoir, j'aimerais savoir qu'est-ce qui était le plus gros défi pour toi Ben, dès le début de la semaine, j'ai adoré le terrain, mais le plus gros défi, c'est dans le fairway, les lies sont tous différents. T'as jamais un lie droit pour envoyer ta balle un petit peu, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment un beau défi. Ouais. Et finalement, où est-ce qu'on peut vous voir prochainement? Ben, moi, j'ai l'opportunité de jouer la semaine prochaine à la Coupe Memphrey-Bagog. Ça va être très agréable d'aller là. Bonne chance. Bye! Bye.